Aujourd'hui on a beaucoup de chance en plus parce qu'on fait le tour de bateau en famille, donc c'est encore mieux. Aventure familiale, donc c'est des super moments de partage, surtout pour une journée comme celle-ci qui va être incroyable. Bonjour les nomades! Aujourd'hui, nous partons faire un tour de bateau à Nusa Lembongan pour faire 3 arrêts. Ça va être exceptionnel, ça va être un tour de bateau en snorkeling. On part avec ce petit bateau et on y va sans plus tarder. Notre capitaine vient de nous faire l'acquisition d'un nouveau bateau depuis 2 semaines. Du coup, il est flambant neuf. On aurait pu essayer la technique locale quand même. On vient de monter sur le bateau, on a une luminosité de folie aujourd'hui, ça va être top. Le capitaine nous a dit que le temps est parfait. C'est plat ce matin, donc maintenant, on va partir pour une belle journée d'expédition snorkeling. C'est vrai que c'est vraiment pas beau. Hein. Et je voulais quand même rajouter un petit truc, c'est qu'il y en a vraiment marre de cette vie de merde. On est bon. De passer Broken Beach qui était juste là-bas. Là-bas, il y a Kailinking Beach. Et là, on est à un spot secret. Comment on voyage aujourd'hui? Ah bah aujourd'hui, on voit tout depuis le bateau. On était déjà venus sur les terres de Nusa Penida. Et maintenant, on fait tout le tour en bateau. Donc c'est marrant de voir les endroits plutôt depuis la mer. C'est super beau. Aujourd'hui on a beaucoup de chance en plus parce qu'on fait le tour de bateau en famille, donc c'est encore mieux. Aventure familiale, donc c'est des super moments de partage, surtout pour une journée comme celle-ci qui va être incroyable. Ça quoi? La tangue de sa tangue là. Ça quoi? On est en train de tanguer, chef. Et là-dedans on va essayer de trouver des remontas, c'est ça? Allez, on va partir en explo, ouais. Salut. Ça va tes bras? Eh ben non, ça va pas trop. Moi, les méduses, elles m'adorent. Regarde-moi ça. On est descendu du bateau. On n'a même pas eu le temps de filmer cette descente parce que le capitaine était beaucoup trop speed et agité. Alors, avec son nouveau bateau, il voulait surtout pas l'abîmer. On est arrivé sur la côte, il y avait des vagues très, très, très grosses. Donc, il fallait vite sortir de là. C'était trop rapide pour nous, là. C'était un tour essentiellement en snorkeling de bateau. Mais pour nous, il y avait un peu trop de snorkeling, pour le coup. Donc, on n'a pas fait tous les stops. Il y avait 3 stops en tout. On a fait le premier à Mantaré. On a eu la chance, du coup, de voir des remontas qui étaient incroyables. C'était dingue. C'était la première fois qu'on en voyait. Et après, la suite, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait la mer qui était très mouvementée. On avait un peu envie de vomir. Un peu beaucoup envie de vomir sur le bateau avec les odeurs d'essence et tout, c'était pas pour nous, donc on a demandé au capitaine, vu qu'on avait un bateau juste pour nous, de faire un tour de l'île, de se balader plutôt, voir les paysages et profiter. C'était beaucoup mieux comme ça, donc on a fait un beau tour de bateau au soleil, voilà, ça faisait du bien, mais les snorkeling c'était pas le top. Voilà.